batteuse, moi c'est Chris Picante et bienvenue à cette vidéo à travers laquelle je vais vous apprendre la manière la plus simple à jouer des chansons que vous aimez bien. Et je vais commencer par cette chanson de Feringola Tutiezi que vous connaissez tous et que vous aimez certainement bien. La chanson ici, elle est en Do mineur. Alors nous allons utiliser le Do mineur, le Si majeur et le La majeur. Je disais tantôt le Do mineur, le Si majeur et le La majeur. D'où la petite mélodie que vous écoutez. Nous allons commencer par le Si mineur que vous voyez là. Je vais aller le plus lentement possible. Pour que le gratteur ou la gratteuse regarde la position de mes doigts. Nous allons commencer par le Do mineur. Comme vous regardez la position de mes doigts, c'est tellement simple. Là, on va utiliser les quatre premiers cordes. Qui nous donne cette mélodie que vous écoutez tous les jours. Là, nous sommes en Do mineur. Et sur cette position de Do mineur, nous n'allons utiliser que les quatre premières cordes. Vous avez la première, la seconde, la troisième et puis la quatrième. Le premier doigt barre les quatre cordes, exactement comme vous regardez. Le troisième doigt, puisque le second reste suspendu, barre juste la quatrième corde. Les trois autres cordes sont barrées par le premier doigt. Alors, le mouvement ici, nous allons aller le plus lentement possible pour que le gratteur ou la gratteuse regarde. Je vais reprendre. Ça nous donne un peu plus rapide ceci. Et après le Si mineur, après le Do mineur, après le Do mineur, nous avons le Si majeur. Nous avons le Si majeur. J'utilise la position du Fa majeur pour plaquer le Si. Donc après le mouvement du... pour le Si où le premier doigt barre les deux premières cordes, le second doigt est placé sur la troisième corde et le troisième doigt sur la quatrième corde. Position de Fa. Nous avons là le Do mineur et là le Si majeur. Après le Si majeur, vous avez vu la position des doigts, nous allons décaler de deux cases seulement pour tomber sur le La majeur. Le La majeur nous donne la même position que le Si majeur. Juste un décalage de deux cases, vous avez le La majeur. Ce qui nous donne trois accords pour toute la chanson, nous avons le Do mineur, le Si majeur et le La majeur. En décomposition, nous avons ceci.
la chanson est faite de trois accords, simplement du début à la fin. Mineur, si majeur et la majeur. Pour jouer la mélodie exacte et le plus lentement possible, je vais vous donner ceci. Nous allons aller un peu plus rapidement. Ce qui nous donne ça. Très facile pour celui ou celle qui voudrait jouer à la guitare. Simplement chez lui à la maison. Il veut s'amuser avec une chanson de Feringola. Il a les trois accords. Et avec ces trois accords, il a toute la chanson. J'ai accéléré un peu. Et maintenant, je vais le faire avec le beat exact de la chanson. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si vous avez aimé, j'ai beaucoup d'autres choses à vous démontrer pour ceux qui veulent s'amuser à la guitare, pour ceux qui veulent faire guitare. Et là, c'était une première vidéo qui vous amènera à faire un peu plus pour les amoureux de la guitare. Et demain, j'aurai pour vous une vidéo typiquement rumba, pour les amoureux de la rumba. Plus tard, vous aurez beaucoup d'autres choses que je vais vous apprendre à la guitare. Et ça va vous permettre de jouer sans aller dans un conservatoire. Vous allez jouer et chanter chez vous-même à la maison.